Télémesure de l'agence. Eh bien, écoute, Franck, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse silence et qu'on vive ces dernières secondes juste avant le décollage. On se retrouve tout de suite après. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, allumage des EAP et décollage. Et voilà, les paramètres bord sont normaux. Le lanceur s'est envolé au-dessus d'un nuage de fumée, un spectacle toujours aussi impressionnant. Malheureusement, la météo ne nous permet pas de le voir très longtemps. Pas très favorable, effectivement, mais toujours ce bruit assourdissant, quelque peu essoufflé. J'ai vécu le lancement depuis une des terrasses, c'est toujours aussi impressionnant. Et oui, en ce moment, c'est 1350 tonnes de poussée qui propulsent le lanceur. Chaque EAP consomme près de 2,5 tonnes par seconde de propergol. La masse totale de chaque EAP, rappelons-le, c'est 277 tonnes pour 240 tonnes de propergol solide. Ici à Jupiter, les murs tremblent, on sent passer au-dessus de nous ce lanceur Ariane 5. Les paramètres sont normaux, vous l'entendez. Et si dans la chronologie négative, on s'intéressait au panneau des verres, là, on s'intéresse à la courbe. Et oui, la courbe de vol, c'est ce que vous voyez en ce moment à gauche de votre écran. C'est un tracé de référence, c'est la trajectoire que doit suivre le lanceur. Il est déjà à 26 km d'altitude. Nous voyons également un petit carré qui se déplace sur cette courbe et qui représente la position du lanceur en temps réel. Alors on le disait, il y a deux autres paramètres à suivre, l'altitude et la vitesse. Vitesse en kilomètres secondes, c'est bien ça? Effectivement, hein, kilomètres secondes. Alors actuellement ce sont les deux EAP, les étages à poudre qui assurent l'essentiel de la poussée au décollage, puisqu'ils représentent 90% de la puissance. Quelle est la prochaine étape? Eh bien lorsque ces deux propulseurs d'appoint seront vides, après 2 minutes et 18 secondes de travail, ils ne servent plus à rien et on s'en sépare pour alléger le lanceur. Et cette cure d'amaigrissement, tu l'estimes à combien? Eh bien, si tu veux, depuis le début du vol, quand on séparera des EAP, c'est comme si on avait perdu un TGV ennemi. Donc on va avoir, à l'annonce de cette séparation, à peu près 200 tonnes encore en vol sur les 775... Séparation des étages d'accélération à poudre. Voilà, donc les étages à poudre sont séparés. Et c'est maintenant le PC qui travaille et qui prend le relais. Et c'est effectivement l'étage principal cryotechnique qui pousse en ce moment grâce au moteur Vulcain 2 qui est produit par les équipes de Snecma à Vernon. Il a une poussée de 100 tonnes au sol, 135 tonnes dans le vide. À titre d'exemple, la puissance développée par la turbopompe hydrogène est équivalente à celle développée par deux TGV. On reste dans le ferroviaire. Exactement. Étape suivante avec de découvrir un moment important. C'est la coiffe donc d'Ariane Espace. On va s'en séparer, mais pour l'instant, c'est le chapeau d'Ariane 5. Et oui, cette coiffe de forme ogivale que vous voyez sur les images de synthèse en ce moment, il est destiné à protéger la TV pendant toute la phase d'attente au sol, de l'ambiance acoustique au décollage et aussi des couches denses de l'atmosphère au début du vol. Cette coiffe est en matériaux composites, elle est construite par la société suisse Oerlikon et un salut amical à Jérôme Bonhomme, son représentant, dont c'est la dernière campagne. On vient d'entendre le DDO annoncer le largage de cette coiffe. Pourquoi on s'en sépare? Eh bien, pour alléger le lanceur, pas de poids mort, on vient de se séparer de 2 tonnes, comme on le voit sur ces magnifiques images prises lors d'un vol précédent.
Alors, on est à une vitesse qui ne cesse de progresser, 2,58 km seconde, 117 km d'altitude déjà. On a parlé beaucoup de puissance depuis le début de la retransmission. Des chiffres sur le rapport justement poids-puissance qu'il est nécessaire pour remplir une mission. Eh bien, aujourd'hui, c'est environ 3%, 20 tonnes d'ATV pour 750 tonnes de lanceurs. Tout de suite, la campagne lanceur avec André Sicard. La campagne de lancement pour ce lanceur L528 de cette campagne vol 190 a démarré en fin d'année dernière et s'est poursuivi durant le mois de janvier. Tout d'abord, nous avons intégré les deux propulseurs à poudre ainsi que l'étage principal cryogénique. Pour cette version, ces étages sont les mêmes que pour une version A5 ECA, c'est-à-dire avec un moteur Vulcan 2 sur l'étage principal cryogénique. Puis nous avons intégré l'étage supérieur à ergol stockable. Nous avons certaines spécificités concernant l'étage supérieur à ergol stockable ainsi que concernant la case. Puisque cette case a une structure renforcée vis-à-vis de la masse de l'ATV. Une fois l'intégration du lanceur achevée, nous avons transféré le lanceur au bâtiment d'assemblage final. Deux jours après, nous avons démarré le plan d'opération combiné afin d'intégrer sur le lanceur l'ATV. Cette intégration s'est effectuée en deux phases. Une première phase concernant le cylindre d'interface avec le lanceur appelé SDC. Puis nous avons intégré l'ATV sur cette interface mécanique. Tous les soirs à 17h, nous avons une réunion d'avancement concernant les différentes opérations qui ont été effectuées durant cette journée. L'ensemble de l'équipe opérationnelle se réunit dans cette salle et nous passons en revue l'ensemble des opérations de la journée ainsi que les opérations pour la journée suivante. Après différents contrôles, nous avons effectué l'intégration de la coiffe sur la TV. Une fois la préparation finale du lanceur terminée, nous avons une réunion importante appelée revue d'aptitude au lancement qui va nous permettre de nous autoriser à transférer le lanceur en zone de lancement. À cette revue participent différentes entités, les entités industrielles, autorités de conception, autorités techniques ainsi que les équipes opérationnelles. Une fois cette autorisation donnée par le comité technique Ariane, nous pouvons transférer le lanceur en zone de lancement. On parle de machines depuis le début, mais parlons un peu des femmes et des hommes qui permettent à ces projets de voir le jour. Combien de personnes sont impliquées sur un programme, sur celui-là ? Eh bien, Ariane regroupe en Europe et en Guyane environ 10 000 personnes. On les salue tous chaleureusement, car ils sont les garants du succès des lancements. Il a accompagné les équipes ATV ici à Kourou. C'est Philippe Roland qui nous décrit la campagne ATV. Le satellite ATV est arrivé en Guyane fin juillet à bord d'un bateau d'Ariane Espace. Ce satellite est arrivé en trois grandes parties qu'il a fallu assembler progressivement pendant les cinq premiers mois, entre le mois d'août et le mois de novembre. Le satellite était composé de trois grandes parties, les panneaux solaires qui ont été envoyés séparément, la partie supérieure du satellite qu'on appelle le cargo, dans lequel on mettra à bord à la fin de la préparation tous les ravitaillements nécessaires à la station spatiale internationale. Et la partie basse du satellite qui, elle, contient la plupart des ergols qui permettront d'amener le satellite à la station. Et ensuite, ATV va permettre de remonter la station d'environ 80 km pour une autonomie en gros de 3 ans. Au mois de décembre, entre même Noël et Nouvel An, on a procédé au remplissage du satellite. Ceci a duré jusqu'à fin janvier. À partir de mi-février, on a procédé à la préparation finale du satellite. On lui a installé toutes les protections thermiques. Et le satellite a été donc transféré au bâtiment d'assemblage final où se trouve le lanceur. Et il a été déposé sur ce lanceur et coiffé dans la foulée. Le vol va être relativement long. Il va prendre plus de 60 minutes avant la séparation. Et tout un réseau de stations va suivre le lanceur pour voir son comportement. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes internationales qui ont travaillé ici sur le programme ATV pendant plus de 7 mois et qui vont faire que, à partir d'aujourd'hui, le port spatial de l'Europe va être le point de départ pour la station spatiale internationale.
La courbe nous indique que tout se passe bien. La vitesse est toujours en progression. L'objectif, je vous le rappelle, 7,6 km/s. C'est l'étage principal cryotechnique qui assure actuellement la propulsion. Il n'est pas éternel, cet étage. Et oui, il aura consommé tous ses ergols. Il va bientôt s'éteindre après 9 minutes de fonctionnement. Il a été réalisé au Mureau par les équipes d'Astrium. Et on les salue très fort. EPC-EPS. Et voilà. Donc, la séparation, c'est donc l'EPS qui prend la suite, l'étage à propériole stockable, et il va être allumé... Allumage de l'étage principal, de l'étage supérieur, pardon. Et voilà, l'EPS vient de s'allumer. Combien de temps de fonctionnement ? Eh bien, on va l'allumer 3 fois lors de ce vol. Nous venons d'assister au premier allumage pour une durée de fonctionnement de 8 minutes. Retour sur l'EPS, tu as dit 3 fois, il y a une raison particulière. Alors la phase que nous vivons en ce moment a pour but de rejoindre une orbite elliptique de 160 km de périgée, c'est-à-dire le point le plus bas, et de 250 km d'apogée, le point le plus haut. On va éteindre l'EPS, il va être en vol balistique pendant 45 minutes et ensuite on